livraison de cheval. Bien, t'es une bonne fille. Doucement, doucement. Allez. Doucement. Je sais. Allez, allez. Ah oui. Voilà, voilà. Bon cheval. Vamos. Stop, stop. Tudo, tudo. Vas-y. Otage. Tu peux me filer un coup de main? T'as fait une bonne action, merci. Pas de quoi. Allez. C'est bien, bon cheval. Oh là. Tout
Tout doux. Vas-y. Calme-toi, t'as rien à craindre. Oh! Allez! Tirez sur tout ce qui porte à vos portes! Arriva! Je pousse! Je vais vous couvrir! Sois un bon cheval. Vamos. Vas-y, c'est bon. Tout va bien. Allez, c'est bien, mon cheval. Doucement. Allez. Bordel. Buenas noches. Vamos.
Oh. D'envie d'avoir un peu d'action. Por favor! Ne faites pas ça! Pitié! Faut mettre. Gracias! De nada. Salut! Oye! Je vais choper un véhicule. J'ai besoin de ta voiture. Muchas gracias. Qu'est-ce que... Voilà. Alors, ce concert, putain. Ah.
Je suis une bombe au bord de l'explosion. T'as l'air d'aller. Que hubo? T'as l'air... On a détruit l'usine de Rome de Maria, on a explosé ses panneaux publicitaires, mais cette salope a même pas bougé un cil. Par contre, les Maximas Matanzas sont morts, et je suis toujours coincée dans ce putain de marais. On a tout défoncé, Dani, et pourtant rien n'a bougé. Mais merde, ça peut pas durer comme ça. Il faut que je la voie, les yeux dans les yeux. Elle a une présentation prévue avec des journalistes étrangers. Si t'arrives à nous avoir des accréditations, je pourrais lui faire cracher le morceau en direct. Le monde entier connaîtra enfin la vérité. Il est temps de niquer le show, Marquesa. Salut. Hola. Clara, j'ai besoin d'accréditation, là. J'arrive au studio télé de Maria. T'as quelque chose pour moi? Des accréditations? Pas facile. Écoute, Dani, ils ont emprisonné l'une de nos camarades à l'intérieur. Alors libère-la, si tu... tu peux. Je vais faire de mon mieux. Merci, Clara. Je te vois, l'ingénieur. Thank you.
une caméra. Ok, reste sur tes gardes, Danny. Neutralisons l'alarme. Des accréditations presse. C'est parti. Hola, journaliste Benevides. Des accréditations ? C'est ma chance, Danny ! J'ai une putain de chanson pour cette salope, te plante pas ! Relax, Talia. Garde ton calme, ok ? Toi, tu gardes ton calme, Danny. Perds pas tes accréditations. Retrouve-nous au jardin botanique, Bichot et moi, et n'entre pas sans nous.
On ouvre l'œil. La cible est dans le coin. Pogno! Merda! Un cadavre! Dispersez-vous et trouvez-moi cette saloperie! Anton Castillo. Un vrai Yaran n'étouffe pas sous la liberté. Un vrai Yaran cherche l'ordre, le progrès et l'avenir. Ça va aller. Thank you.
Camion. Je bouge. Tiens, t'es journaliste maintenant. Félicitations. La classe. Ici Talia Benelides de notre beau jardin. Cogno, ça devrait passer. Pour nos affaires, qu'on se fasse pas tuer. Il faut changer de fringue. Hé, hey, vous n'êtes pas... Sylvia Balboa, jardin ravi. Notre beau jardin. On pourrait faire vite. Maria attend. Bienvenue. Bienvenue, chers amis de l'étranger. Merci à tous d'avoir fait le déplacement pour en apprendre plus sur le joyau de notre pays, le Viviro. Commençons la visite. L'architecture est impressionnante. Joli. Tout cet argent pourrait profiter au peuple de Yara. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et la joie de partager avec vous le miracle du Viviro, un traitement révolutionnaire contre le cancer. Il y a 13 ans, le docteur Edgar Reyes, brillant biochimiste, a découvert un composé spécifique à Yara qui ralentit la prolifération des cellules cancéreuses. Mais c'est grâce au soutien total du président Anton Castillo que nous pouvons produire ce médicament naturel. Découvrez l'histoire d'une innovation révolutionnaire, de la générosité et de l'esprit de Yara. Suivez-moi. Tout commence avec la Nicotiana yarana, une plante endémique qui pousse dans nos fermes à l'ouest. Notre tabac est célèbre dans le monde entier pour sa saveur unique. Désirant se renseigner sur son aspect unique, le docteur Reyes a étudié les propriétés de la plante. Et non, il n'a pas fumé des cigares à la chaîne. Il a trouvé un composé qui ralentit la division des cellules cancéreuses, la stoppant quasiment. Par ici, chers amis. Prêt pour la suite de l'aventure, Viviro ? Le docteur Reyes a découvert que les récoltes de tabac naturel produisaient très peu de composés. Le président Anton a donc ordonné aux meilleurs scientifiques du pays de collaborer avec le docteur Reyes pour concevoir un engrais naturel
Vous êtes vraiment une scientifique. Bien sûr. Je développe de nouveaux produits à base de vivres. On travaille sur un spray nasal et des nutriments transdermiques pour stimuler la production du composé. En regardant bien, vous verrez que le tabac a de grandes feuilles rouges. C'est dû à l'engrais. Magnifique, n'est-ce pas? Pur, bio et exotique. Non? Quelqu'un veut-il vaporiser les plantes? Venez, appuyez sur ce bouton. C'est si amusant. Parfait, involontaire. Ça sent pas ça. Et voilà. L'engrais va commencer à agir sur les plantes. Ainsi débute le processus de création du viviro. Utiliser McKay pour contourner l'embargo a alimenté la controverse. Nos détracteurs veulent s'enrichir sur le dos des malades. Ils nous voient comme une menace. Ils cherchent à nous nuire. Par ici, por favor. Rapprochez-vous. N'ayez pas peur. J'aimerais que tout le monde m'entende. Dans la région centrale de Yara, nos meilleurs scientifiques extraient, affinent et conditionnent le composé tabagique anti-cancer appelé Yarantine. Présent uniquement dans le tabac de Yara, le composé expliquerait la douceur de nos cigares, selon le docteur Reyes. Délicieux et bénéfique, non? Je fume un cigare par semaine pour garder ma ligne et mon tonus. Je vous assure. Et voilà, fin de la visite. N'hésitez pas à essayer nos stations interactives. Quand vous serez prêts, rejoignez-moi à la porte du salon extérieur pour un invité surprise. D'après certaines rumeurs, les fermiers exposés au PG240 auraient développé des cancers. Des rumeurs. Il ne faut pas croire ce qu'on raconte, c'est absolument faux. Je vois. Esclavagiste. Je pensais pas que c'était possible. Je la déteste encore plus qu'avant. Et c'est la fin de notre visite. Mais avant de partir, une surprise. Voici le docteur Edgar Reyes, l'inventeur du Viviro. Docteur Reyes, quand merci tu parlais de tout balancer, d'être venu. Qu'est-ce que tu voulais dire? Balancer le son, j'en sais rien, moi. Qu'est-ce que ça et peut foutre des lieux en dégustant le meilleur rhum de qu'elle Yara. Qu'elle ressente la douleur. Voici quelques autres produits Viviro que nous développons. Quoi que ce soit. Gomme à mâcher, spray pour le nez, suppositoires vaginaux... C'est... comment on dit... une mise en bouche. Enfin, tout n'est pas comestible. Et si vous avez des questions, envoyez un email à mon assistant Julio. Allez, docteur Reyes, nous ne devons pas traîner. Et nous non plus, il faut qu'on entre. J'ai dit à Bichot de laisser nos armes ici, prépare-toi à tout défoncer. Alors, et maintenant? On va improviser. Ça va le faire. Reste bien concentré.
vivant. Nous faisons des cachets, des injections, nous développons également des crèmes, des patchs. Par sa taille, Yara est un petit pays. Que dites-vous à ceux qui doutent que vous puissiez répondre à cette demande colossale? Rome ne s'est pas faite en un jour. Et comme vous le savez sûrement, les vrais Yaran ont à cœur de venir en aide à ceux qui souffrent. La communauté médicale. Détails sur la composition chimique du composé du Viviro et... Nous ne la dévoilerons pas pour l'instant. Oui, et c'est certainement justifié. Que pouvez-vous leur dire pour les rassurer? Nous nous sommes fixés plusieurs étapes, et le docteur Reyes tient à améliorer le Viviro avant de tout divulguer. Nous continuons à protéger notre miracle. Madame Marquessa, pouvez-vous nous dire pour... Un embargo de plus de 50 ans, imposé par plusieurs pays. Le président Castillo souhaite simplement... Hé, il y a un corps ici. Papinga. Encuentren al timbre. Confinons le circuit de livraison. Nous faisons des cachets, des injections, nous développons également des crèmes, des patchs. Par sa taille, Yara est un petit pays. Que dites-vous à ceux qui doutent que vous puissiez répondre à cette demande colossale? Rome ne s'est pas faite en un jour. Et comme vous le savez sûrement, les vrais Yaran ont à cœur de venir en aide à ceux qui souffrent. La communauté médicale internationale a demandé des détails sur la composition chimique du composé du Viviro et... Nous ne la dévoilerons pas pour l'instant. Oui, et c'est certainement justifié. Que pouvez-vous leur dire pour les rassurer? Nous nous sommes fixés plusieurs étapes, et le docteur Reyes tient à améliorer le Viviro avant de tout divulguer. Nous continuons de protéger notre miracle. Madame Marquessa, pouvez-vous nous dire pourquoi Yara ne vend pas le Viviro à tous les pays du globe? Pensez à notre histoire. Un embargo de plus de 50 ans, imposé par plusieurs pays. Le président Castillo souhaite simplement avoir une chance auprès de la communauté internationale. Notre processus est le suivi des pays qui recevront du Viviro. Et nous ne comptons pas la soutenir. On estime que 10 millions les cas de nouveaux cancers chaque année dans le monde. Comment ferez-vous pour produire assez de Viviro? Le Viviro est un nouveau produit. Il est encore tout jeune. Nous l'affinons pour qu'il soit prêt. Nous confinons le circuit de livraison. Nous faisons des cachets, des injections. Nous développons également des crèmes, des... Il faut qu'on se tire! Là, on doit trouver Marquessa! Talia! Il faut qu'on en finisse! Ok, ok! La sécurité! La sécurité, vite! Allez vous occuper des terroristes! Mais qu'est-ce qui se passe? Entendido. Vamos! Dans un petit prêt à mourir pour Castilla? Ne tirez pas! Je ne suis qu'un scientifique! Barrez-vous! Foutez le camp! Vas-y, filme! Allô?
Salut. Cogno, alors comme ça, Maria est morte? Génial. Hola. Qué bola.